Salut tout le monde, c'est Viz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Sur Brawl Stars, il existe beaucoup de choses, mais on aimerait que beaucoup de choses apparaissent. C'est pourquoi dans cette vidéo, vous allez voir trois choses que Brawl Stars devrait rajouter. Avant de commencer cette vidéo, on n'hésite pas à liker et à s'abonner car elle m'a pris pas mal de temps. Sur ce, on est tout de suite parti avec la vidéo. Pour la première chose, ça sera une barre de recherche pour les brawlers. En gros, moi à chaque fois les gars, je suis là, je cherche mon brawler mais je le trouve jamais. Donc une petite loupe de recherche à gauche, juste en bas pour retourner dans l'accueil. Tu cherches un brawler, genre je sais pas, tu cherches Squeak, tu cherches, je sais même pas où il est le mien. Ah oui, là. Donc là tu tapes Squeak et tu l'as directement, ça te met le seul brawler. Ça serait plutôt une dinguerie, surtout pour ceux qui ont tous les brawlers. Bref, pour la deuxième chose, ça sera échanger des gemmes avec quelqu'un. Ou en donner. En gros les gars, par exemple, il y a quelqu'un, il a 162 gemmes. Et moi j'ai 7 gemmes. Je lui donne mes 7 gemmes, comme ça il pourra s'acheter le Brawl Pass. C'est vraiment rentable, mais bon c'est un peu rat. Ou alors, échanger, il y en a un, il a 170 gemmes, j'en ai 7. Hop, il aura 7 gemmes, j'en ai 170. Bon c'est un peu vraiment... Il faut vraiment que le mec il ait des gemmes et il arrête le jeu, du coup il s'en fout quoi. Bref, on passe directement à la troisième chose, ça serait aller plutôt vite. Et pour cette dernière chose, ça sera des tickets de remboursement, les gars. Tickets de remboursement pour les skins. Imagine, genre, je sais pas, hop, t'achètes Gus, champion du monde, sans faire exprès. Et du coup, tu vas dans le ticket de remboursement, et t'as juste à rembourser, comme ça tu gagnes 149 gemmes. Genre, style, 2 tickets tous les 5 mois, ça peut être bien, mais bon, voilà. Après, Supercell a aussi mis, genre, faut appuyer deux fois au cas où vraiment t'en as pas fait exprès et du coup, voilà. Donc, je trouve ça, je trouve que ces idées vont vraiment être correctes si c'est rajouté, mais je pense pas. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier Rogalax, je vous mets sa chaîne en description, qui m'a trouvé une idée sur trois et ça m'a vraiment aidé, donc je le remercie infiniment. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. C'était VizFeedX, salut salut.